Yo les rushs, j'espère que vous allez bien, on se change pour une nouvelle vidéo les gars. Comme d'hab, voilà, on se retrouve tranquillou. Achat de Bounty Only. Je sais que vous avez bien aimé le premier épisode. On va refaire un peu le même principe, on va jouer un petit peu d'autres machines. Je vais regarder aussi dans les commentaires. Ah bon, vous le verrez pas parce que bon, voilà, c'est un peu les secrets. Mais je vais vous donner des pseudos, il y a des gens qui m'ont donné des machines justement sur cette vidéo et dans les commentaires. On est parti, j'ai envie de m'acheter un premier bonus les gars sur Roten. Celui-là, c'est un petit kiff perso. On va s'acheter du coup le Total Takeover, donc le Bounty de Roten pour ceux qui ne le connaissent pas. Let's go. Petit bounty, donc pour ceux qui connaissent pas le principe de Roten, alors déjà Retrigger premier spin, plus 4 spins, on apprécie. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Roten, alors elle est assez compliquée à expliquer comme ça instant, mais là il faut vous dire qu'on est en total takeover, ce qui veut dire qu'on peut supprimer des premiums, si je ne me trompe pas. Et ce qu'on va vouloir, c'est du coup supprimer le plus de premiums possible, pour à la fin aller chercher un maximum du coup de full line. Et c'est une machine qui peut énormément payer Roten les gars. Pour ceux qui regardent souvent les vidéos et qui voient surtout les bonus un, c'est une machine que je joue principalement en bonus un. Et on a très souvent des dingueries, ce qui m'a donné envie du coup de la jouer un peu plus souvent. Alors je la découvre encore à moitié, c'est-à-dire que je la connais pas par cœur. Attends le ref avant de continuer la vidéo, je te rappelle que dans le premier lien dans la description, t'as le bento, il y a le lien pour rejoindre le Discord. Il y a 50€ à gagner tous les jours sur le Discord, ça fait 1500€ à gagner tous les mois les gars, n'hésite pas à le rejoindre. Voilà, je sais qu'il y en a, il y a des gens très énervés dans les commentaires à chaque fois qui me disent « Ouais, c'est ton métier, tu comprends rien aux machines, tu nous casses les couilles, il va te faire enculer. » Alors déjà, bonjour pour commencer. Et voilà, faut savoir les gars que moi, je suis pas un grand fan. Oh, attendez parce que... Il n'y a pas vraiment de full line, mais c'est quand même un x200. Il n'y avait pas de full line du meilleur premium, ce que je voulais dire surtout. Mais voilà, voilà, par exemple, j'ai dit une connerie, on ne supprime pas, on récupère les symboles. Oh, attends. Oh, il y a une line de... Oh, le long, quand je vous dis que cette machine, c'est une dinguerie. On commence la vidéo avec un x500. Oh, là, nice. On l'achète x250. On est déjà à 2000 de bénéf, très très bon. Donc voilà, je vais finir mon propos les gars. Je sais qu'il y en a, vous savez quoi, on va même le racheter. J'en ai rien à foutre, on va le racheter. Je sais qu'il y a certaines personnes, voilà, pour finir mon propos, qui n'aiment pas, qui me disent « Ouais, tu comprends pas les machines, c'est ton métier et tout. » Les gars, il faut savoir que moi, ce qui me fait kiffer, c'est aussi d'être un peu surpris par les gains. C'est pour ça qu'il y a des machines que je connais absolument par cœur, que je joue assez rarement en vidéo. C'est toujours sympa, etc. Mais je sais pas. Alors, il y en a qui, ça peut vous frustrer et tout, et je le comprends, et j'en suis désolé. Moi, j'avoue que les gars, être un petit peu surpris, ça me... Voilà, ça me rajoute un petit peps. J'avoue que les machines que je connais par cœur, bah, ça me fait chier au deuxième spin. Tu sais déjà, est-ce que t'as un bon setup? Est-ce que t'as pas un bon setup? Est-ce que tu vas gagner? Est-ce que tu vas pas gagner? Donc, j'avoue que je prends moins de plaisir. Donc voilà, je suis désolé, c'est certain que ça frustre. Je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi ce côté-là de découverte, même si vous la connaissez. Moi, j'avoue que regarder le tableau, comprendre la machine alors que je l'ai jamais joué, c'est pas mon délire. Voilà, fin de la parenthèse, les gars. Mais au moins, on est calé là-dessus. J'aurais pas dû le racheter, mais c'est pas grave. On est toujours en bénéfice par rapport au start. Et on va peut-être pas s'en racheter un. Hein. On va peut-être pas s'en racheter un. Hein. Par contre, on peut se faire quelques spin features. On peut faire quelques spin features, voilà, par exemple, spin feature, je n'ai jamais fait. Donc, each spin guaranteed a symbol, switch symbol lens. Ok, donc on va avoir la feature switch, pardon, à chaque spin. On va se faire spin à 300, je pense, on va s'en faire quelques-uns. On va pas non plus abuser, juste voir ce que ça peut donner. Alors, le problème, c'est que du coup, oui, on est en switch. Ouais, on est en... Ok, ouais. Ok, on récupère un symbole switch. Ok, non, ça peut être pas dégueu, mais c'est un petit peu... C'est un petit peu hasardeux, parce qu'on n'a pas le setup du bonus, quoi. Et 100€ de profit, dans tous les cas, sur ce spin. On va pas s'en plaindre. A savoir que pendant les spin features, les gars, vous pouvez dropper les bonus, pour ceux qui ne savent pas, le normal, ainsi que le bounty. Donc voilà, c'est une petite info à connaître. Petite info à connaître. Malheureusement, il n'y a pas de full line, on n'a pas le bon symbole au début. Ok, un peu de perte sur ce spin-là. Oh, switch, mais carrément compris. Ok, alors l'idéal c'est de récupérer un switch pendant le dernier spin. Voilà, là par exemple ça aurait été sympa de récupérer un switch. Sinon c'est un spin un peu bizarre. Ok, alors honnêtement je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan des spin features. On va s'arrêter là. On va aller les gars sur ce qu'on a fait sur la dernière vidéo. On va le retenter. C'est parti les refs. L'end of the tree.
Vous savez très bien ce qu'on va faire. Vous savez très bien comment ça va se passer. On va partir sur un idiot spin. On va partir sur un idiot spin à 40 centimes. Ça fait... Ouais, ça va vite, hein. Alors, on va le faire à 40 centimes, les gars. Ça fait 924 euros l'achat. Et un spin, les gars, c'est max win ou zéro. Max win x 52 000, si je ne m'abuse. On va s'en faire... Faut qu'on se donne une limite, parce que ça va très très vite. On va s'en faire 3. Et après, on ira sur une autre machine avec le même principe. On va s'en faire 3 ici, les gars. Bonne chance à nous. Je sais pas du tout c'est combien le rate. Ça doit être vraiment une chance sur 20. Donc c'est parti. Là, on veut une tête qui apparaît ici. Oh! Alors, par contre, j'ai dit une énorme connerie. Oh! Ok, 6000. Alors, j'ai dit une énorme connerie. Vous voyez, par exemple... Là, j'ai été surpris dans le mauvais sens, mais j'ai été surpris. Je pensais que c'était max win ou rien. Mais en fait, non, il y a différents paliers. Alors là, par exemple, là, on peut regarder. Là, on peut regarder, ça peut être intéressant. Alors, j'avoue que je savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. D'accord. Donc, la dernière fois, on a eu une chatte exceptionnelle. Ah, ça dépend de qui on a. Ok. Donc, on a x15 000. Donc là, on a eu le plus low, techniquement. x25 000 et x57 000. Ok. Donc, on a pris 6 000, les gars. Je pense qu'on peut se permettre, du coup, les gars, de... refaire. On est parti, let's go. Ok, alors vous croyez pas qu'on va faire max win à chaque fois. Je sais pas de combien est le rate, mais je pense que c'est assez faible. Mais j'ai quand même envie d'y croire. Un des trois. Un des trois présidents, bien évidemment. Aïe aïe aïe. Alors j'avoue que j'ai pas la ref des présidents, de la machine et tout, ça a l'air d'être une machine bien American. Allez. Ah, c'est dur. Ah, on aurait peut-être dû s'arrêter après le premier instant. Allez, je retente une dernière fois. Ok, une dernière fois. Ah là là. Là, il y a des mecs qui vont me dire que je suis pas raisonnable dans les commentaires. Et vous avez raison, je ne suis pas raisonnable. Et c'est pour ça qu'on va aller, les gars, sur 9 to 5, bien évidemment. Même principe. Alors, celle-là, pour le coup, j'en suis sûr, c'est max win ou rien. Ça coûte un peu moins cher. La max win est moins élevée, évidemment. On va s'en faire aussi 5 ici, je pense. On va prendre un peu de risque. On va s'en faire 5 ici, les gars. Et après, j'irai prendre dans les commentaires certains de vos calls. Donc, c'est parti. On veut avoir le blue screen entier, évidemment. C'est le but de la machine. Let's go. Oh, j'y ai cru sur le premier spin. On s'en fait 5, on a dit. Un deuxième. Faudrait arriver à choper la max win au moins une fois. Un troisième. Un quatrième. Ça commence à être chiant. Un cinquième. J'avais dit 5, les gars. J'ai dit 6. J'ai envie de dire 7, mais on va s'arrêter là. Si on se fait... Un septième. Oh là là, mais quel idiot. Bon, on va se calmer, les gars. Et je vais prendre vos calls. Je vais prendre vos calls pour remonter tout ça. Cette machine est 3 dit. Wanted, les gars. Bon, je suis désolé. Je suis un peu parti en couille. Il y a des gens qui vont me dire que je suis pas raisonnable dans les commentaires. Vous avez le droit. Je le prendrai pas mal. J'avoue que j'ai un peu abusé, mais. Ah, vas-y. Ces trucs de max win ou rien, ça donne trop envie de refaire un spin. T'as l'impression que c'est ridicule alors que le montant est énorme. Mais bon, c'est pas grave. On va se rattraper, les gars, parce que là, c'est un x 10 000 sur Deadwood à 10 euros de bête. Vous l'aurez vu ici en premier, les gars. C'est 100 000 euros qui vont être pris. J'espère. Non, donc Wanted, les gars, bonus dead, le super bounty de Wanted, tout simplement. Bonus le plus difficile à avoir. On veut avoir des wilds, avoir des multi. Ça s'arrête au bout de 6, je crois. Je me rappelle jamais si c'est 5, 6 ou 7. Mais c'est dans ces eaux-là. On a minimum 5 wilds, minimum 5 ou 6, 7 de multi. Du coup, je sais plus c'est lequel. C'est pareil pour les deux. Ce qu'on veut, du coup, c'est aller chercher un setup. On dit, allez, on va dire 15 wilds, ça commence à être intéressant. Et 10, 15 de multi, ça commence à être intéressant aussi. Si on a un très gros multi et très peu de wild, ou beaucoup de wild et un très petit multi, c'est pas worse. Là par exemple, ce sera un bonus de merde, hein, je vous le dis d'avance, les gars. C'est ridicule ce qui va se passer. Full line de wild, heureusement. Heureusement la full line de wild, sinon ça aurait été une galère. Voilà, normalement c'est plus ce genre de spin là. Donc la full line de wild qui va nous permettre de pas perdre beaucoup, mais je pense qu'on va quand même perdre de l'argent. On l'a acheté 4000 euros. Dommage, la full line de barrier nous aurait mis bien. Ok, 1006. Ok, non, on a récupéré une full line de barrier. Heureusement, franchement les gars, 3831 euros. Vu le setup, je vais me permettre d'en racheter un parce que honnêtement, elle m'a pas. Franchement, elle m'a pas. Tu vois, elle m'a. Mec, elle arrive pas à faire ses phrases. Non, honnêtement, elle m'a respecté, tu vois. Elle m'a pas chié dessus, ça aurait pu vraiment être x50. Honnêtement, hein, vu le setup qu'on avait, ça pouvait être un x50, tout simplement assez ridicule. Donc c'est cool.
C'est cool, c'est cool. Bon, on aimerait bien aller chercher un beau setup. Hein. Là, vraiment, c'est ce bonus, les gars. On peut vraiment aller chercher un x 10 000. Je vais pas dire facilement parce que ce serait mentir. Mais on peut aller chercher un x 10 000. Hein. Pour le coup, il y a de belles choses à faire. Il y a de belles choses à faire avec ce bonus. Donc, on est en 6-6. Je crois que c'est 5, hein, du coup. Hein. Je crois que c'est 5 minimum. Hein. Oh non. 6-6, c'est horrible. Aïe, aïe, aïe. On va réussir deux fois à faire très peu de déficit avec un setup pareil. Honnêtement, là, j'y crois pas. Honnêtement, pour moi, les gars, là, c'est au moins 2 500-3 000 euros de perte. Minimum. Strict minimum, les gars. Ouais, strict minimum. Hein. Strict minimum, bien évidemment. 3 000 euros de perdu sur ce bonus. Et je vais me permettre d'en racheter un. Allez, j'en rachète un à 6 000. Vous savez quoi, les gars, j'en rachète un à 6 000. On est là. On achète des bounty only, on va pas jouer petite couille. Voilà, peut-être que je suis pas raisonnable. Mais si là je prends 50k, on me dira que je suis raisonnable. Donc c'est pas grave les gars, on est là pour le content. Bonne chance à nous. Même ça me ferait un peu chier que si on fasse vraiment un dead bonus. C'est cool d'aller chercher quand même beaucoup de wild. J'arrive toujours pas à savoir si je préfère wild ou multi, mais je pense que je préfère quand même les wild. Hein. Parce que même les wild avec un multi moyen, ça nous assure au moins de faire beaucoup de connexions. Alors que quand on n'a pas de wild et un gros multi, bah, on n'arrive pas à avoir une line un peu chanceuse et tout, c'est compliqué. Normalement, ça devrait pas être la fin, on a 4 wild. Et voilà. Ça devrait pas être la fin. Là, maintenant, on aimerait bien stacker beaucoup de wild, honnêtement, ce serait cool. Non, t'arrêtes pas comme ça. 5 wild, c'est horrible. 5 wild, c'est horrible. C'est horrible, 5 wild. C'est ridicule. Il y a moyen qu'on fasse vraiment x0. Hein. Ce sera pas x0, mais... Oh là! Oh, ok. Sortie de nulle part. Hein. Sortie de nulle part, la petite full line de barillet. Mais bon, c'est quand même une belle perte. Hein. C'est quand même une perte de 3 000 euros avec une full line de barillet. Le meilleur symbole. Un peu chiant. Je vais le racheter une dernière fois, les gars. On sera down de 20k si c'est un très mauvais bonus. J'espère qu'il va se passer quelque chose. Ce serait cool. Parce que là, on donne, on donne. Mais normalement, quand on donne autant, on est censé recevoir à un moment. Hein, y a un moment où on est censé recevoir un petit peu. J'espère qu'on va recevoir, parce que là, pour l'instant, on donne, mais on ne reçoit rien. Tout simplement. Ce serait quand même cool. Ce serait quand même cool, cool, cool d'aller chercher un petit truc, là. Ok, petit wild x5. Donc là, on est à 5-5. Donc ça peut... Si ça s'arrête maintenant, au moins on le saura. Mais ça serait cool si ça s'arrête pas. Ok, on le saura pas et je sais pas plus mal. 7 wild, 7 de multi. Allez, go aller chercher plus. Go aller chercher un vrai setup, là. Non, dead pas, s'il te plaît. N'importe quoi, un wild, un multi. Ok, un wild, on récupère les spins, ça me va. Allez, encore wild, multi, wild, multi, wild, multi. On s'arrête pas comme ça. Ok, wild en plus. Des wild multi, encore des wild en vrai. 7 de multi, encore des wild, 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 s'il te plaît, wild, wild, wild. Ok, 9-7, c'est pas fou. C'est pas fou, mais. Mais peut y avoir quand même un petit truc. Petite full line. Ok, petite full line. Ok. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux, on est toujours pas en profit, mais c'est déjà mieux. Non, fais-moi des belles lines. Ah, les wild, ils sont mal placés. Les wild sont mal placés. Allez, sur le dernier spin. Une petite full line de barillet en x7. Full line de 10. Je crois qu'on est... Ah, on est quand même en déficit de 100 balles. Hein. Je rachète encore une fois. J'espère qu'on va quand même réussir à faire un bonus en positif. Je force un petit peu sur Wanted. Est-ce que ça va marcher? Normalement, ça marche rarement de forcer, les gars. Voilà, pour ceux qui veulent un petit tip, ça marche rarement. Ça marche rarement de forcer. Mais bon, on est un peu con. On est un peu con sur les bords, donc on le fait. Là, pour l'instant, pas trop de stress à avoir. Ça peut pas se finir. Normalement, ça peut pas se finir, parce que bon, à tout moment, on m'a menti. Et un jour, je vais me taper un setup x3, x2, je vais exploser l'écran. Ça, c'est un autre débat. À partir de maintenant, ça peut se finir. Donc à partir de maintenant, on va aller choper des wilds. On va aller choper du wild. Voilà, wild plus multi. En vrai, wild plus multi en illimité, comme ça, c'est cool. Hein. Oh, j'aime bien. J'aime bien. 11 wild, ça commence à être pas dégueu. Monter un petit peu le multi encore, ce serait cool. Ne t'arrête pas là. Donne-nous un petit symbole. Oh, 14 wild, ça commence à être bien. Là, si on arrive à monter un petit peu le multi, les gars, vers les x10, on commence vraiment à avoir un vrai setup. Allez, t'arrêtes pas. Multi, multi, multi. Encore wild, très bien, on récupère des spins.
Des multi maintenant, on a énormément de wild. Des multi. N'arrête pas encore un petit wild qui nous save. Ok, ça peut quand même être pas mal parce qu'avec 15 wild, on peut aller chercher énormément de full line. Allez, c'est parti. Oh. Ok. Pas de full line de Barry. Ah non, y a pas de full line de Barry. Y a pas de Barry à gauche. Oh, ok. Full line en bas, combien? 540. Nice. Voilà pourquoi on joue Wanted, les gars. Oh, la full line en bas. La full line en bas, elle paye combien? Elle paye combien, celle-là? Oh, 3006 plus 1008. Nice. 16300. Voilà, les gars. Voilà pourquoi on est venu sur Wanted. Let's go. Ok, on est presque back au start. Alors, on n'est pas encore back au start. Mais on est presque back au start. Voilà les gars pourquoi on vient jouer Wanted. Quand on achète le super bounty, c'est pour ce genre de bonus qu'on vient jouer sur Wanted. Ça fait plaisir. J'ai envie d'en racheter un dernier, mais je vais pas le faire. Les gars, vous me connaissez. Vous savez que je suis un petit peu têtu. Voilà, pour ceux qui regardent souvent les vidéos, vous savez que je suis un petit peu têtu, les gars. On va venir retenter la max win sur 9-5. On va se donner pas 5. Cette fois-ci, on va donner 3 essais. On va se donner 3 essais, les gars, sur 9-5 pour aller chercher la max win. On est reparti, on veut le blue screen complet maintenant. Maintenant. J'avais dit 5, non? Elle veut pas aujourd'hui, hein. Elle veut pas, du coup, si on va s'acheter un bounty, les gars. Peut-être qu'on va pouvoir récupérer l'argent sur un bounty. Alors je crois qu'on a eu le mauvais si je me trompe pas. Faut savoir que 9-5 les gars, le seul truc que je fais c'est la feature max win. Hein. Donc là j'ai aucune idée si on a eu le bon. Je sais qu'il y a deux bonus, on a 40% d'avoir le bounty et 60% d'avoir le pourri je crois. Mais du coup là j'ai aucune idée si c'est bien. Je connais même pas la machine, je sais pas qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'à la dernière fois il y a un mec qui m'a expliqué un peu dans les commentaires mais à mentir j'ai oublié. Je suis désolé. Je suis désolé, je crois qu'il m'avait dit qu'à chaque connexion on doit augmenter les multi ou un truc comme ça. Mais là j'ai bien l'impression qu'on a eu le bonus de merde. Hein. Ah, y a des mecs qui vont me dire putain, regarde ce que tu fais sur Wanted, t'arrives à remonter, tu vas dépenser tout sur 9-5. Je sais les gars, je sais, je suis un peu con. En tout cas, 26 euros, ça fait plaisir. Enfin, 78 du coup, on multiplie à la fin, c'est bien ça. Ouais. Bon. Vous l'avez pas vu les gars, vous l'avez pas vu, moi non plus je l'ai pas vu. Oh putain. Ah j'ai envie de repartir sur l'end of the tree, est-ce que je fais une erreur, les gars, arrêtez-moi. Arrêtez-moi les gars, je suis en train de faire une connerie, je pars complètement en couille en fait. Allez on s'en laisse 3 les gars, 3 et pas un de plus. J'ai envie d'y croire. Une erreur. Deux erreurs. Ok les gars, vous savez quoi? C'est une achat les gars. Achat bounty only, ok? C'est ce qu'on a dit. Hein. C'est ce qu'on a dit les gars. Mais je vais faire une petite main de blackjack. Voilà. C'est pas dans le concept, mais j'ai envie de me la faire. On va se faire une petite main de blackjack les gars. On va essayer de remonter un petit peu, de rattraper mes conneries. Bonjour mademoiselle. Enchanté. 15, j'aime pas. 15, j'aime pas, mais contre 3. J'aime pas du tout low card. Best. Bon, on est de retour à 10 000. Est-ce que c'est un all-in 10 000? Non, on va remettre 5. Je suis pas très chanceux. Au BG en ce moment. 16 contre 7. J'aurais dû tirer. Et du coup, je vais rejouer la main juste pour voir la carte que j'avais. Et si c'est un 4 ou un 5, je vais juste me tirer une balle dans la tête. Dans le jeu, hein, bien évidemment. Eh bien, on est all-in, les gars. On est all-in, tout simplement. Les gens qui disent que je suis pas raisonnable auront eu raison sur cette vidéo. Ça fait un peu chier, heureusement qu'on a fait des belles wins récemment, mais ouais. Là, je suis en train de capter à quel point j'ai un peu troll.
On aurait eu un beat, on aurait perdu la main dans tous les cas. Et ben, c'est comme ça que va se finir cette vidéo, les gars. C'est comme ça que va se finir cette vidéo, malheureusement. Elle nous a bien tués, elle aussi. Ça m'arrive rarement, pour ceux qui regardent toutes les vidéos, de faire des sessions de ce style, où on se fait vraiment allumer du début à la fin. On a fait beaucoup de vidéos en positif, on va dire que c'est pas grave, même si, bon, on va pas faire des vidéos comme ça tout le temps, ça fait un peu chier. Ça arrive, les gars, ça vous fait une petite vidéo prévention aussi. Voilà, faites attention à vos thunes, les gars, si vous jouez, jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Bien évidemment, on le rappellera jamais assez. J'espère que vous avez kiffé quand même, les gars. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Des bisous, les refs. Ciao.